Un film d'une grande émotion qui vous captivera rapidement par son réalisme dans un climat inquiétant. Un simple collier de perles les conduit à la destruction. Deux bandes de gangsters s'affrontent pour survivre et chacune d'entre elles se montre plus sauvage et plus cruelle que l'autre. Comment vais-je le faire ? Ici, c'est impossible. Tâchez que Surnette ne meure pas. Peu m'importe comment. Mais sauvez-le, hein? Calme-toi, Henri. Tu vas me dire la vérité, sinon personne ne te reconnaîtra, putain. Tourne à droite et traverse le champ. Non, attends. La voiture s'embomberait dans la terre. Une coproduction franco-espagnole. Interprétée par Paul Nashi, Richard Palmer, Carlos Otero, Olivier Mato, Sylvia Solar. Qu'est-il arrivé? Vite! Carl, Paul! Tu vas constater que le sadique vit encore en moi, et il restera tant que je vivrai! Tais-toi! Tais-toi! Tu veux continuer à vivre? Tu élimineras du cerveau du blessé le lobe endommagé par la balle. Incision à 3 cm de la blessure. Mes mains ne vont pas intervenir pour sauver un assassin, croyez-moi. Sa mort sera un bien pour l'humanité. Ne la touchez pas. Un personnage, dominé par une passion déchaînée qui le torture, le rend fou, et se termine dans une véritable rage sur des êtres innocents, incapables de se défendre. Un suspense constant, qui vous fera passer des moments d'angoisse certains. Des hommes dont la loi n'est autre que la force des armes. La loi du plus audacieux, du plus fort, pour démontrer son pouvoir. Une histoire qui vous maintiendra haletant jusqu'à la fin. L'homme à la tête coupée.